Et voilà comment résumer le jeu en quelques minutes. Merci à vous, au revoir. Au revoir 2016, bonjour 2017, bonjour Rayman, bonjour à vous. On se retrouve pour Rayman 3, Hoodlum avec... Avec Rayman surtout. Et avec Globox. Ça s'annonce absolument génial. Bonne année à vous surtout, en espérant qu'elle soit surtout meilleure que 2016, ça risque pas d'être difficile je pense. Et bien évidemment, vous savez comment on va s'appeler, bon je pourrais m'appeler Globox mais ça rentre pas. Je pourrais juste à la limite m'appeler Globe, ou Globo, ou Lobo, hein, pour lobotomiser, ce qui m'irait très bien aussi. Hein. Mais voilà, on va garder... le traditionnel PF Abe. Et êtes-vous sûr de vouloir sauvegarder sur les mémoires pour PlayStation 2, puisque oui, on est sur la version PlayStation 2. Et autant vous pouvez dire tout de suite, ça va déjà de 1 au départ être une partie de plaisir. Je dis bien au départ, on verra à la fin. Et surtout, j'ai jamais été au bout. J'ai jamais été au bout du jeu, donc. Ça s'annonce génial. Oui, sauvegarde réussi, je suis content. Again!
Écrase ton looms. Mais ils viennent vraiment de... Voilà, monsieur dame, fin de la cinématique. Maintenant, c'est à toi de jouer. Attendez, ils viennent vraiment de... Ah, voilà, oui. Ils viennent vraiment de démembrer Rayman. Les trucs rouges, ça s'appelle des bonus. Il faut que tu les prennes. Merci, Marcel, merci. Allez, on y retourne. Et cette fois, essaie d'être un peu moins grotesque. Et donc, l'ambiance du jeu va être un peu comme ça à chaque fois. Bah, tu vois quand tu veux. Très drôle, très comique, ça s'annonce génial à tout. Ah non! Voilà l'autre tête dans l'île! Oh, c'est pas vrai! Il y en a partout! Wouah, faut faire gaffe! Oh. Hey, il me tire dessus! Bah voilà des méchants originaux! Mais oui, parce que s'ils ne tiraient pas dessus, ce serait pas vraiment des vrais méchants! Hein. Alors, on attrape les machins rouges! D'accord! D'accord! Attention au tir! Bonjour! Aussi vif qu'un slick, dis donc. On va pas tourner en rond pendant des heures. C'est à quoi choper une crise d'épilepsie. Ah. Attention. Bon, si. Hey, t'as pas été trop mauvais. Pour la peine, je vais t'offrir ton premier saut en parachute. Sans parachute. On a le 100% du premier niveau. Attends, c'était pas si difficile que ça. Ouh. Alors, comment ça va la saucisse? Ouah. Hop, hop, je déconne. T'es vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? Non, le prends pas comme ça. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Le manuel. Il y a tout là-dedans. Si on lit l'histoire, on trouvera comment te tirer de là. Alors, il était une fois les lumes, c'est l'harmonie, l'amour, la paix. Brrr, tu parles d'un scénario. Soudain, le drame. André transforme les lumes rouges en hood lumes. Le monde est en danger. Ah, voilà, là ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains. Ouais, trouillard comme il est, il a dû se planquer quelque part. Ah ça, ça va pas être évident de lui mettre la main dessus. Surtout pour toi. Hop, 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 en fait, j'ai oublié de te dire. Chaque sort des points. Tiens, regarde le compteur, je vais te montrer. Pousse-toi ma poule. Lorsque tu marques des points, le panneau s'abaisse et tu passes en mode combo. C'est là que ça devient génial, parce qu'en mode combo, tes actions valent beaucoup plus. Seulement, faut pas traîner, parce que le mode combo finit par disparaître si tu marques plus de points. Ah, dernier truc. Les points permettent d'acheter des niveaux cachés. Alors, essaye de faire le meilleur score, c'est pas le plus facile. Bon, le manuel a pas l'air terrible, mais en cherchant bien, on devrait trouver deux ou trois trucs utiles. Tiens, là, ils disent que pour sauter, il faut utiliser la touche de saut, sans blague. Voilà une info. Attendez, je vais juste sur pause pour qu'ils se taisent un peu déjà de une. Mais c'est tout pour vous parler. Parce que la cinématique déjà d'introduction est quand même géniale. Déjà le type il a l'air d'en pincer un peu pour nous. Il voudrait bien nous mettre la main dessus, hein. Et pas que dessus. Et... Merci Marcel. Et... Vous voyez que du début à la fin ça va être d'un humour assez intéressant. Un humour un peu à deux balles. Je vous épargne la cinématique, c'est promis. Et c'est un peu mon jour du moment en plus. Mais c'est surtout aussi pour prendre une pause. C'était une bonne année. Et comme je l'ai fait dans le crash, je le fais avec un petit chocolat. Là, ce serait un chocolat blanc. Et oui, forcément, un chocolat par jour. C'est mon calendrier de l'après. Voilà. On va. Surtout que je tourne le 31, en fait. On me fond. Chocolat. Chocolat blanc de Jeff de Bruges. Ça n'a rien de bruxellois, ça n'a rien de Bruges, ça n'a rien de Belgique. C'est juste le nom qui est belge. C'est un peu belge en fait, c'est tout. Voilà. On va donc pouvoir y aller. Ouais, bonjour à ceux qui découvrent la chaîne, vous allez voir que je mange beaucoup. Je sais, c'est pas forcément une bonne chose. X pour valider. Oh, score! Et là, ils disent que pour frapper, il faut presser la touche de tir! Bravo! Non, sérieux, il y a vraiment des types qui ont payé pour écrire ça. Faut croire. Attendez, est-ce qu'il y a moyen de changer des options? Options. Manette. Ah mince. C'est pas le genre d'option que j'aurais voulu. Parce que là, ça va pas m'aider. Parce que le jeu, je l'ai pas fini, donc forcément, ça va pas aller très loin. Et vous voyez, au lieu de récupérer des tings, des looms, tout ce que vous voulez, maintenant on récupère ce genre de choses, et oui! Des pièces! Les chaînes d'aujourd'hui! Ah.
Eh oui, on a défoncé Carapuce, vous voyez un peu? Un vieux! Défonce les vieux, Rayman.com! Non. Je le dirai à ma maman. Le carré de mes nouvelles! Jeune homme! Jeune homme, lol, genre. Avez-vous bien gardé, monsieur? Non, faut passer derrière. Rayman, voilà. Là où on ne voit pas. Bon, allez, hop. Vas-y, vas-y Rayman, on te voit pas, tu peux faire ta commission ton. Ah bah trop tard, on t'a vu. T'inquiète pas, on a rien vu. On a rien vu. Et forcément parce que l'autre a envie qu'on enlève le ban. Forcément, forcément. C'est l'idée. Je vous mettrai tout ça en maison de correction. C'est toi qui est plus corrigé. Ah d'accord, ok. Je sais que c'est une espèce de grosse limace ou je sais pas quoi. Espèce de mal élevé. Oui, je sais. Je mange en pleine vidéo, j'insulte. Non, je n'insulte personne, attention. Mais voilà, oui. J'espère que c'est pas forcément quelqu'un de bien élevé, du coup. C'est jamais 300 ans de moins. Seulement 3 ans. Si j'avais 3 ans de moins, moi déjà, ça serait déjà pas mal. Mais bon, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Petit impertinent. Merci, je suis un petit impertinent. Mais là vous voyez quand même la richesse un peu de ce niveau. La richesse de ce jeu. Alors là s'il y a moyen d'avoir une caméra s'il vous plaît, merci caméra. Regardez un peu cette vue. C'est quand même extrêmement joli. Avec une ambiance un peu Zlataesque. En hommage à Zlata Ognevich. Surtout. Bon, ok, Rayman peut quand même se servir de l'hélicoptère avec ses cheveux, hein, mais il peut pas pour autant frapper vu qu'il n'a pas ses points. Mais j'aime bien la façon dont Globox a démembré Rayman, c'est assez bizarre, parce que du coup Rayman, ça voudrait dire que Rayman est en partie un peu comme Luffy, c'est ça, de One Piece. Non, il peut pas passer par là. Tu dois aller par là, suis la flèche Rayman, t'auras l'air d'un champion. Allez Marcel, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre le livre? Rayman, t'es vraiment le meilleur! Merci. Tout ça pour ça? Bon, au moins il nous dit qu'on est le meilleur. Bon, c'est rassurant, hein. C'est lui qui le dit. Attends, trop mort de rire! Le manuel dit que tu peux faire de l'hélico avec tes cheveux! L'hélico avec tes cheveux? Ils ont fumé ou quoi? Bon, Murphy, tu surveilles un peu ton langage, il y a peut-être des enfants qui écoutent. Utilise le joystick analogique droit pour bouger la caméra. Ah bah ouais, non mais... Mais là, la caméra elle a fait n'importe quoi. Vas-y doucement avec le box, hein. Il est peut-être pas fut-fut, hein, mais il est quand même un copain. C'est vraiment pas un copain. C'est vraiment pas un copain. Non. Le ah. Ramène-toi ici. Est-ce que vous avez entendu le petit tirut? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le coin. Est-ce quelque chose? Ah, oh, mais où est-ce qu'il s'est caché ce gros naze? Oh, Murphy, voyons. On a entendu un tirut. Il faut absolument qu'on le voit ce tirut. Parce qu'en fait il va nous donner déjà pas mal de points et ça compte dans le pourcentage, et oui. Non, ce ne sera pas un 100%, vous vous en doutez. Écoutez cette musique. Et oui, c'est un petit air du 1. Ouais, franchement il est magnifique le... Il est magnifique la musique quand même. Ah, vous avez peut-être deviné. Ah non, pas de lutte. Attendez, à quoi servent les touches directionnelles, je me le demande. Bonjour Marcel. Dis bonjour à la caméra. Cheese. C'est dommage que je ne pouvais pas prendre de photo, on aurait eu Marcel en gros plan. Ah non, Murphy, pardon, c'est Murphy, comme il dit. Il dit quoi, Murphy, hein? Non, ouais. J'ai vraiment osé, sérieux. Ça y est, le type il est déjà parti dans ses autovannes. Mmh.
Voilà, on récupère tout ce qu'il nous faut. Je sais, je prends un peu de temps. Mais c'est vraiment pour... pour essayer de trouver cet enfoiré. Non, je plaisante, bien sûr, c'était pas du tout un... hein. Mais bon. Ah, attendez, y aurait-il quelque chose là? Bonjour, monsieur Looms. Vous êtes un Looms? Il est caché dans le noir. Est-ce qu'on va l'entendre d'ici? Apparemment, non. Parce que je suis sûr qu'il est... Ah, ah! Il était là! Fallait le voir! On l'a eu, oui, vous voyez, on l'a eu. Hein. Ouais, il fallait vraiment le voir, le petit bonhomme, je sais plus comment il s'appelle. En fait, si vous voulez voir un vrai joueur y jouer... bravo, Rayman, tu es vraiment le meilleur des héros! Merci, merci. Donc je disais, si tu veux... Si vous voulez voir vraiment quelqu'un de doué y jouer, il y a Kaishul qui a fait son propre let's play, je vous le conseille franchement. Surtout avec l'humour Made in Kaishul, ça promet. Faudra d'ailleurs que j'aille jusqu'au bout. J'ai pas été jusqu'au bout, désolé. Mais t'inquiète, je me rattraperai. Comme Rayman ne s'est pas rattrapé là. Allez Rayman, vas-y! Allez Rayman! Pour l'hélico, appuie sur X. Et réappuie encore sur X. Rayman est né sous X. Attention. Et voilà! Oui, ça va être un problème avec la justice. Non mais, ça va hein, bon, j'ai le droit de prendre mon temps. Voilà. Bonjour. L'échec d'aujourd'hui. Dis au revoir. Il a dit quoi le papy? Il n'a pas pu compris là. Pertinent. Eh oui, je sais. Je vous mettrai tout ça en maison de correction. Le pire, c'est que je les aime beaucoup en plus. Mais Rayman, voyons. Alors bon. Attends, t'es sérieux là? Ah bah quand même. Ah non mais là pour récupérer ce truc là fallait y aller quand même hein. Waouh. Ouh. Merci la caméra de revenir dans le bon sens. T'aurais l'air d'un coureur. N'est-ce pas Ronan? Alias Khal Drogo hein, dans Game of Thrones. Putain! Murphy, aide-moi! Murphy! Faut que je remonte tôt, j'arrive, hein, bon. Allez, Rayman, vas-y, viens par ici. Ça fait 20 minutes qu'on est là, sérieux. Et moi qui pensais qu'on avancerait très rapidement dans le scénario et tout, dans la première vidéo. Eh ben non, que nenni! Ou plutôt, cheveux nenni. Cheveux nenni. Ah oui, c'est surtout parce que j'ai des petits problèmes de joystick. Non mais Rayman, mais tu te fous de ma poire! Oh mais non, mais là, mais sérieusement... Dès la première vidéo, il va comme ça me agacer. Tu commences à me hérisser le poil, Rayman. En plus que la caméra, là, pour une fois, n'aide pas. On a le contrôle de la caméra, mais on fait de la merde avec. Donc bon. En gros... Conseil numéro 1. Ne jamais jouer avec la caméra. Conseil numéro 2. Toujours suivre le conseil numéro 1. Le conseil a toujours raison. Eh ben quand même. T'as mis du temps Rayman. Et voilà.
regarde, le consigne des fées. Si tu veux draguer, je te déconseille l'endroit. C'est rempli de vieilles filles complètement gaillées. Voilà, en plus c'est en train de laguer, je sais pas pourquoi. Cet endroit tourne à 30 fps, pourtant d'habitude ça tourne très bien. Oh, mais ce manuel est vraiment épatant! Il explique que les interrupteurs servent à déclencher des mécanismes! Non mais franchement, qui a écrit cette... Ça commence à bien faire, tu veux te faire virer ou quoi? J'aime cet humour, j'aime Murphy. J'aime beaucoup Murphy pour ce, pour ça, ouais, c'est vraiment... très très drôle hein. Alors attention parce qu'il va falloir en fait hein, je me suis trompé de côté hein. Donc on va passer par là ou un bug de caméra et donc ah c'est quoi ce tonneau? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Un tonneau qui parle? Mais c'est la bonne Globox! C'est pas Globox, mais non, c'est une mythe en pilo vert. Change pas de pied, change! Youhou! Rayman! Oh! Dites, on peut faire ça à trois. Bonheur en début de jeu. Moi je dis que ça cache quelque chose. Tout à fait Thierry. On va surtout sauvegarder hein, si on peut. Parti. Ah sauvegarder, bien, on peut sauvegarder, c'est très très bien. Toujours faire une sauvegarde quand même, on est à 23 minutes, je sais, c'est pas beaucoup. Mais vous inquiétez pas, c'est pas fini. Voilà. C'est juste histoire de sauvegarder un peu. Au cas où. Au cas où. Mais non seulement Murphy aimerait bien que j'enlève le bain, mais en plus il va faire ça à 3 avec Globox, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qu'il nous fait le Globox là? Oh là là, attention, si jamais vous tombez c'est la mort! C'est la mort! Mais non, je déconne. Coin coin. Justement, regardez un peu. Regardez un peu juste ça. Avec la musique et ça, oh là là là. Ça vaut la mer de lune de la mer de lune la musique du peuple de lune avec l'ambiance qui va avec dans Dark Cloud. Ah mais franchement cet endroit il est absolument dingue. Waouh, très 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 beau. Un homard et je n'ai fini. Pourquoi ça tourne en 35 fps? Bonjour les étoiles! Bonjour la nature! Petite fleur, comment t'appelles-tu? Rose? Moi c'est Globox! Moi être boulé! On n'est pas bien là? Si, on est très bien là. Et c'est ici qu'on va se quitter, non je déconne. Ah, je suis content! Plus qu'on content, hein? Hein Globox? Dis quelque chose. Tu sais quoi? J'ai rêvé que j'étais enceinte. C'est génial! J'adore les fraises. On va le laisser. Hein. On va s'en aller un peu plus loin. Hein. On va laisser Globox dans son coin avec son gros bide. Et son bide de Globox en enceinte. Oh, joli dentier! Tu me fais une petite place dans ta carapace? Mais pourquoi non? Tu passes l'aspirateur? Et oui, on a tous besoin de passer l'aspirateur. Forcément. Allez, viens, Globox! Je vais vomir! Mais non, c'est pour ton bien! Touche pas ton pote! En plus, on voit pas ce que tu fais. Je vais vomir! Mais non, allez! Allez, viens, je te dis! Viens! Je vais vomir! Mais viens, je te dis! Touche pas ton pote!
Attention, Rayman, je suis enceinte. Pardon? Oh, bah, aïe. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Aïe, forcément. On va être interdit au moins de 16 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Rien de mal, voyons. Oh, Rayman, t'as allumé la lumière. C'est beau. Eh ben tiens, qu'est-ce que je disais? Revoilà les méchants. André, tu dois dire que les méchants s'appellent André. Respecte mon texte, bon sang. Ils attaquent le concile des fées. Non mais là, c'est plus possible. Après Rayman 2, on m'avait promis un rôle d'artiste tourmenté qui trouvait l'amour avec une fille très... très... intelligente, oui, voilà. Bilan, je me retrouve à faire la mouche dans une série Z. Pauvre Murphy. Aidez Murphy à trouver son rôle. Nouveau niveau bonus gagné. Youhou! Pas une seconde à perdre! Nous devons rattraper André avant qu'il ne touche le cœur du monde. Mais oui. Ah! On a entendu le titre. Donc il doit être quelque part, forcément. Alors, mais je sais à peu près où il est, mais il est pas là. Il est plus à l'étage supérieur. Mais ce qui est bien, c'est qu'il reste jusqu'à ce que vous le trouviez, en fait. C'est un peu sympa. Hé, regarde! Un interrupteur! À tous les coups, il actionne un mécanisme! Allez, frappe! Parce que là, on l'entend beaucoup quand même, le tulut. Hein. Dépêche-toi! La force grandit chez André! Freine encore et il racontera partout qu'il est ton père! Il a osé! Il a osé la faire, je m'en doutais. Je le pensais, mais je pensais pas qu'il allait vraiment le... oser la sortir, celle-là. Mais si, c'est Rayman 3, voyons. Pour moi, c'est avec le 1 vraiment le meilleur jeu. Il est là. Et on a gagné des points. Pour observer les lieux, appuie sur... Oh, Rayman, fantastique. Encore un. Toi, tu n'y serais jamais arrivé tout seul. Ah non, on va se mettre quand même sur la corniche. Voilà. Hop. Et essayer de... Oula, récupérer tout ce qu'il nous faut. Et après, on va se quitter parce qu'il sera déjà l'heure, et oui. Voilà, ça va pas être une partie de plaisir avec le joystick, hein, je vous le dis. J'hésite quasiment à le faire avec le clavier. Vous imaginez un peu le truc? Le drame ultime. Et Rayman, voyons. Je suis pas sûr de... Je suis pas devin, mais j'ai comme l'impression qu'elle contient quelque chose. Non, sans blague. Ah non, évidemment, pour augmenter la puissance de tir, enfonce la touche carrée. Enfonce. Tu pouvais pas mal dire, Murphy, hein. Toi qui aimes bien enfoncer. Et ben, vous voyez, on récupère plein de choses. De la vie, on récupère plein de choses. Libertard, si André triomphe, il pondra Globox et il t'obligera à jouer de l'harmonica. Déjà, de 1, qu'est-ce que t'as contre l'harmonica? Et de 2, t'es immonde. Il pondra Globox, non mais c'est gore ce que tu dis, hein. Hop. Et zou, voilà, merci. Merci, merci. Mais je vous conseille vraiment de jouer à ce jeu, ne serait-ce que pour le tester. Parce que franchement, c'est vraiment, vraiment un jeu génial. Incroyable! En brisant les tirelires, tu as ouvert la porte! Cet endroit est vraiment trop magique. Il n'y a pas que cet endroit. Ouais, non, je crois vraiment que je vais jouer à la... au clavier la prochaine fois, parce que là, je ne peux pas, quoi, en fait. Ouais. Ou alors je modifierais juste les touches pour Rayman.
Ouais, je vais faire ça. Mais par contre, ça sera pour la prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, et peut-être aussi l'année prochaine. Enfin, pour moi, puisque moi, je suis encore le 31. Je suis encore 2016. Mais vous, non. Merci à vous. Au revoir. Et passez sur... J'espère que vous avez passé surtout un bon réveillon. Alors, en fait, je vais vous dire, passez un bon réveillon. Et ben, au revoir. Salut, Rayman. Salut, Globox. Salut, ton bide.